Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai dit au médecin, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Bonjour famille, c'est tellement émouvant. Enfin l'enterrement de la femme de Pasteur Marcelo. Maman Blanche vient d'être entrée afin que l'homme de Dieu puisse continuer son service. Des révélations ont été faites. Suivez jusqu'à la fin. Et si je ne pleure pas, c'est parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. Parce qu'elle est morte, j'étais là, seule, à Istanbul. J'ai pleuré des nuits et des nuits et des nuits. J'ai fait 3 jours sans dormir. Et maintenant, la paix de Dieu commence à remplir mon cœur. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai dit au médecin, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment tant qu'elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures. Toujours rien. Et j'ai prié, prié dans ma chambre sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle, elle était au bas. Moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit. Elle est morte. Et les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non, ma femme est vivante. On est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc. J'ai dit, montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée, en pleurant. Et j'ai compris qu'elle était partie. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. J'ai tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissée à la mort. Le lendemain, je suis encore allé à la mort pour prier pour sa résurrection. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Rien n'est arrivé. Quand nous sommes arrivés à Kinshasa, à la morgue encore, avant de la déposer, j'ai prié, prié pour sa résurrection. Et rien n'est arrivé encore. Aujourd'hui encore, à la mort, j'ai encore prié, prié, et elle ne s'est pas réveillée. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-moi, viens nager avec nous.
Elle était au premier niveau, elle nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, « Pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous ?» Elle m'a dit, « Une voix m'a dit que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. » Je lui ai dit, « Non, ça c'est le diable, refuse cela. » Elle a dit, « Ok, un autre jour, elle me dira, « Si je meurs, est-ce que tu vas te remarier ?» J'ai dit, « Pourquoi tu dis des choses comme ça ?» Elle dit, « Non, je parle seulement. » Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Oracle, elle a offert 3 motos, 9 à ses 3 anciens travailleurs pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait, elle vivait à 200. Jamais. Bon, si c'était l'un de nos frères comme ça, là, si c'était l'un de nos frères, il allait dire, ah bon, c'est le, on n'en est même pas considéré parce que voici l'école, voici l'appartement. Le bébé, il dort. Donc, elle est sortie, descendue vite, vite pour aller. Et puis, c'est pas comme l'appartement est vide. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler. Ça fait des jours, il est en train de travailler là-bas. Donc, c'est comme s'il y a, y a quelqu'un de grand. Donc, elle est sortie vite, faire pour aller déposer son enfant. Wow! Il a appelé, il a dit à l'assistante. J'ai oublié son nom. Bon, j'ai tellement eu assistant dans ce pays et tout. Virginie. Il a appelé Madame Virginie, la tia à Madame Virginie. Et voilà, la femme a laissé son enfant dans la maison. Et puis elle est partie déposer l'autre à l'école. Et, ils ont appelé la dame là. Et je vous dis que elle n'a même pas fait 3 minutes. Et puis elle s'est retournée. Parce que si tu marches vite, vite même là, oh, c'est comme l'école de mes enfants qui est ici, là, tout près ici. Là. Elle est venue, elle a étonné sur sa tête. Déjà, le papato qui est en train de travailler, là, il a dit à les assistantes là que non, elle a laissé l'enfant à la maison pour partir déposer. Déjà, lui, il est en train de travailler là. Tout ce qu'ils nous ont fait dans la maison là, lui, il surveille tout. Parce qu'il travaille, c'est l'assistante qui l'a amené pour travailler, pour régler les choses qui étaient gâtées. Donc, ils sont, voilà quoi, ils travaillent pour l'association. Donc, il a dénoncé, il a dit ça, il a dit, ils ont fait une réunion contre la dame là. Ils ont fait une réunion contre la dame là. Elle dit non, que c'est parce que le bébé, il dormait. Il a dit, moi-même, j'étais témoin. Pourtant, il n'était pas là. Pourquoi tu l'aider au fait? Il a dit non. Il a dit, comment dire? En tout cas, oh, vraiment, ils ont dit non, c'est pas normal, voilà, madame tante, c'est pas normal de laisser un enfant, il dort, il peut avoir un incendie, quoi, là même, il peut avoir quelque chose dans la maison.